Jean-Maxime du Bois d'Auteuil. Es-tu prêt pour ce Melwood? Toujours prêt, on découle. À l'attaque! Allez, tout de suite, on y va pour le warm-up. On va faire un petit tabata avec deux mouvements. Sumo, deadlift, high pull. This is it. Du sol. On vient charger et extension. Et on lève les coudes, on ramène la charge au niveau du visage. Et le deuxième mouvement, vous le connaissez bien, c'est des thrusters. La charge par gauche des épaules, on descend en squat et on remonte en cédant des hanches pour amener la charge au-dessus. Nice. Ouh, place au strength. You know strength, strength is force. Alors, pour l'entraînement un petit peu de renfort, aujourd'hui on va faire des dips. Donc, soit vous allez prendre des chaises, soit un banc, soit ce que vous avez pour faire des dips. Vous allez vous mettre en position de dips donc. Max, toutes les 30 secondes, voilà ce que vous allez faire. Vous allez retenir un dip pendant 3 secondes en excentrique. 1, 2, 3, vous vous retrouvez en bas, vous bloquez pendant 3 secondes en bas. 1, 2, 3, vous remontez en 3 secondes encore. 1, 2, 3, et une fois que vous avez fait ça, vous enchaînez entre 3 à 6 dips en dynamique. Us, 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 et donc le reste du temps, c'est de la récup. Pendant 6 minutes, toutes les 30 secondes, vous faites ça, d'accord? 3 secondes excentriques, 3 secondes statiques, 3 secondes on remonte, et 3 à 6 dips. Gra! Ok, ça va vous donner entre 15 et 10 secondes de récup. Yes, all right, everybody! Yeah, buddy! Alors, on y va pour le WOD. Aujourd'hui, il va s'agir de Cindy, donc un AMRAP de 20 minutes, composé de 3 mouvements. Vous aurez 5 tractions à faire, 10 push-ups et 15 air squats. Sauf que, petite variante, tous les deux tours, vous devrez enchaîner 30 double under ou 30 sauts simples ou alors 60 jumping jacks si vous n'avez pas de corde à sauter. Tout de suite, on passe aux démos. Pour les tractions, trois possibilités. Vous avez chez vous une barre de traction, un panier de basket, quelque chose comme ça qui vous permet de les faire. Les feux, on y va. Sinon, vous pouvez accrocher une serviette à une porte, une corde, quelque chose comme ça pour vous tracter. Et la troisième possibilité, si vous n'avez rien de tout ça, vous pourrez faire du rowing avec une charge externe, okay, où on vient ramener la charge au niveau de son buste. Trois possibilités pour les tractions. Le deuxième mouvement, les push-ups. Facile. Soit jambes tendues sur les pieds, ou bien si c'est trop difficile, on y va sur les genoux. À vous d'adapter en fonction de vos capacités. Super. Et le dernier mouvement, tout le monde peut le faire. Meilleur squat, 15 répétitions. Nice. Et enfin, tous les deux tours, les fameux double under, double saut de corde à sauter, vous avez 30 répétitions, ou alors 30 sauts simples si vous n'arrivez pas à faire de double under. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de corde, on fera 60 jumping jacks. À vous de jouer les amis. Bon training les copains, et surtout, n'oubliez pas, pensez au nerf.